Bonjour et bienvenue, chers amis, pour le message du tarot. Vous avez ici le 10 d'épée, l'ermite, 7 de coupe, 5 d'épée. L'ermite, l'arcane majeur, nous dit que vous comprenez quelque chose, mais avec une telle lucidité, avec une telle évidence, que c'est incroyable. Ça vous permet de sortir de cette illusion concernant ce 7 de coupe. J'ai l'impression qu'on vous a fait miroiter des choses qui ne sont pas vrai, et en tout cas que vous, vous comprenez. Et il y a eu ce débat, ce 10 d'épée, ce 5 d'épée, nous disent, il y a eu un débat dans votre mental, parce qu'en fait, vous n'étiez pas dupe du tout, du tout, du tout. Vous avez compris assez rapidement, assez simplement, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vrai, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas authentique, véritable. Et c'est cette compréhension, en fait, que là, d'un coup, vous allez le voir, ça va venir de l'intérieur, de l'âme. L'âme et le cœur comprenaient que c'était du blabla, que c'était pas authentique, surtout. Et en fait, là, ça arrive vers le mental. Le mental était perdu. Le mental, en fait, votre âme le savait, votre mental ne le savait pas. Justement, le mental va comprendre. Parce qu'il y a quelque chose dans la matière qui va se passer. Il y a une expérience dans la matière qui va vous amener à la compréhension, qui va vous amener à la connaissance. Waouh ! Ben, je peux vous dire que ça arrive très très vite. Il y a quelque chose dans la matière qui arrive rapidement et qui vous libère de doutes, qui vous libère d'hésitation, qui vous libère de ce côté un petit peu hésitation, de ce côté je ne comprends pas, le diable. Vous saviez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous avez senti, vous avez pressenti ce côté, pas diabolique, parce que j'ai le mot diabolique, mais je ne crois pas, c'est surtout toxique. Vous avez compris que c'était un mensonge. Vous comprenez, vous comprendrez que c'est un mensonge. Deux coupes. Ça concerne ici, est-ce que c'est deux personnes que ça concerne? Non, c'est pas deux personnes que ça concerne. C'est une personne qui essayait de faire croire à une autre à des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies. Il y a beaucoup de faux semblants ici. Il y a beaucoup de... Mais alors, ce que je sens chez vous, c'est incroyable, c'est ce côté, de toute façon, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Voilà, vous êtes dans cette idée-là, vous. En fait, la personne vous fait miroiter des choses, vous raconte des choses, etc. Mais en fait, vous n'êtes pas dupe, mais pas une seule seconde. Pas une seule seconde, cet ermite n'a pu être trompé, n'a pu être leurré. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Parce que, en fait, chez vous, il y a quelque chose qui est très clair. Il y a une clarté en vous qui est incroyable. La lune. Vous le saviez déjà dans votre âme. Vous le saviez dans votre cœur. Là, ça va devenir une réalité. Et c'est ça qui a conduit à ce que vous quittiez quelque chose. C'est ça qui a conduit à ce que vous mettiez un terme à la situation. Ou ce qui va vous amener à quitter cette situation-là. Parce que, en fait, là, il y a une clarté du mental, de la conscience, il y a une prise de conscience, mais votre cœur, votre âme, cet ermite en vous, c'est-à-dire cette sagesse en vous, savait déjà que c'était toxique et que savait déjà que c'était pas du tout ce que ça apparaissait. Vous n'étiez pas leurré ni trompé par des apparences. Chevalier de coupe, on vous a tenu de beaux discours, hein. On vous a raconté de belles choses, des palivernes, me dit-on. Bon, bah écoutez, je dis tel que ça vient. Je crois que là, vous partez la tête haute, fièrement, vers l'apaisement, le calme, parce qu'en fait, c'est clair pour vous que vous aviez raison. Voilà, si je dois vous dire cela, vous aviez raison. Votre âme avait raison. Votre âme le savait. Elle le savait, mais de tout son cœur, de toute la profondeur de votre être. Trois d'épée. On a essayé de vous blesser. On a essayé de vous faire du tort. On a essayé de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Surtout, on vous a raconté des choses vraiment qui ne sont pas vraies. On a essayé de raconter des choses, mais en fait, ça ne vous bouscule pas. Vous savez pourquoi, chevalier de deniers? Parce que vous n'êtes pas dupe que dans la réalité, et ça va s'avérer maintenant, par une situation où vous allez vous rendre compte que vous aviez raison, qu'en fait, vous avez parfaitement senti, vous avez parfaitement compris le jeu de cette personne-là. Parce que c'est une personne, c'est pas un groupe, c'est une personne-là. Deux de coupe,
vous souvenez, tout à l'heure, on avait deux coupes. On a essayé de créer chez vous l'émotionnel qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste. Et l'ermite, en fait, avec sa sagesse, n'est pas rentré dedans, n'est pas tombé dans le panneau. Vous n'allez pas et vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Ce qui est parfait. Page de denier. Et ça va s'avérer. Ça va se réaliser. Vous allez voir dans la matière que vous aviez raison de ne pas croire ces beaux discours. Parce que ce ne sont que des discours. Et là, vous sortez en fait de cette illusion. En tout cas, de l'illusion qu'on a essayé de créer autour de vous. Je ne pense pas une seule seconde que vous avez cru à ça. Parce que. En fait, pour ceux à qui ce message est adressé, vous ne croyez pas une seule seconde cette affaire. Parce que regardez, la reine de Denier nous dit que vous êtes tranquille, apaisé. Je sens beaucoup de noblesse dans votre cœur et dans votre âme. Je sens beaucoup de fierté, pas d'orgueil, de fierté. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, au plus profond de votre être, inconsciemment au départ, et ça va s'extérioriser là, c'est cause toujours tu m'intéresses. C'est un peu ça. Et c'est dans ce personnage-là, vous voyez, c'est dans ce personnage-là que je le sens. Où ça fait, oui, cause toujours, tu m'intéresses, je tourne le dos, je tourne les talons et je vais là où je dois y aller, c'est-à-dire où tu n'y es pas. Ok, bon, bah écoutez, je vous raconte tout ça parce que ça arrive comme ça. 2 d'épée, les choses sont claires pour vous. Là, il y a un dévoilement, 2 plus 5, ça fait 7, il y a un dévoilement. C'est vraiment intentionnel, là. On a essayé intentionnellement de vous induire en erreur. Ça va bouger dans la matière, vous permettant de mettre en avant justement cette volonté. Il y a une volonté là vraiment de nuire. La tour, ça arrive très très vite. Ça, le dévoilement, en tout cas par une expérience, par une situation dans la matière, ça va se dévoiler très rapidement qu'on a voulu intentionnellement faire quelque chose contre vous. Mais on ne peut rien faire contre vous. La reine de bâton nous dit, vous étiez protégée par cette sagesse intérieure, par ce feu intérieur, par votre kundalini, par votre âme, qui a créé un bouclier autour de vous, un bouclier énergétique, ce que ne pouvait rien faire, en fait, dans ce cas-là, ce diable, c'est-à-dire cette énergie toxique. Ce n'est pas le diable, l'autre n'est pas le diable, mais en tout cas a essayé par son comportement, par ses paroles, de créer une énergie toxique. 7 d'épée. C'est ce que je vous disais. 2 plus 5, 7. Ça va se dévoiler très, très vite. Cette mauvaise intention va se dévoiler. 10 d'épée, vous vous souvenez? 3 d'épée. On a voulu vous nuire intentionnellement. On a voulu dire, c'est surtout dire, on a raconté quelque chose, soit à vous, soit à quelqu'un d'autre, pour vous porter, j'ai le mot, coup fatal. Je suis désolée. Je le dis tel que ça vient. 4 de coupe. Dans votre cœur, dans votre âme, vous êtes solide. Vous êtes de marbre. Vraiment, vous restez de marbre face à une toxicité. 7 de bâton. Je vous dis, et c'est ce que je vois, en tout cas, c'est ce que moi je perçois. Vous n'êtes pas bien évidemment obligé de rentrer là-dedans, mais en tout cas, ce que moi je perçois pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a un bouclier énergétique. Il y a un bouclier. Comment vous dire ça, de protection, de guérison que en fait on a installé autour de vous sans que vous le sachiez. Ce sont vos guides là qui étaient en train de vous protéger et en fait ça a tout simplement conduit à ce que cette énergie toxique, comment on peut dire ça, en fait elle s'est heurtée, mais vraiment heurtée à ce bouclier et en fait c'est comme le boomerang, elle va repartir vers la personne qui est à l'origine. 10 de denier. Vous êtes fier. C'est impressionnant. Vous êtes fier parce que dans la matière, vous êtes tranquille. Ah, vous êtes dans l'harmonie, vous. Vous êtes dans la sagesse. Vous êtes 6 de denier. Waouh. Vous êtes vraiment, mais protégé avec quelque chose qui est. Ça dépasse l'entendement, là. Vraiment, l'entendement ne peut pas saisir. Par contre, l'âme et le cœur peuvent saisir. Vous êtes tranquille. On a essayé de vous déstabiliser, mais on ne réussira pas une seule seconde de le faire. Vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton, vous êtes protégé. Voilà. Contre cette blessure, contre ce quelque chose qu'on voulait faire contre vous, la lune. Et en fait, c'est votre âme qui vous a protégé, qui a fait appel à vos guides
inconsciemment et en fait qui a créé ce bouclier énergétique qui tout simplement fait que tout part et repart vers l'autre. Celui qui essaye de faire, je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, mais en tout cas c'est des paroles. Le roi de bâton, vous êtes ce roi de bâton. Vous êtes quelqu'un de tranquille, d'apaisé, vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes en train de progresser, 4 d'épée, vous êtes en train de progresser avec beaucoup de sérénité, de simplicité, et il y a encore cette idée d'intériorité, puisque le 4 d'épée vibre ici avec l'ermite de tout à l'heure. Vous avez le 10 de bâton. La guérison, la... Mais en fait, vous n'allez même pas vous rendre compte. Cette personne a fait je ne sais combien de tentatives, de possibilités, de je ne sais ce qu'elle fait, c'est bizarre, je ne sais ce qu'elle fait cette personne, mais quoi qu'il en soit, en fait, elle ne peut rien, vous le sentez même pas le truc, ça fait même pas une plume de difficulté pour vous. Je ne sais pas comment vous expliquer cette de coupe encore. Quelqu'un qui essaye de raconter n'importe quoi là. C'est des mensonges que cette personne raconte et qui elle essaye d'alourdir votre situation, mais en fait ça ne fonctionne pas. Vous êtes trop puissant, trop fort pour elle. Pour elle, j'ai dit parce qu'il n'y a qu'une. Sept de deniers. Vous allez le comprendre à travers un événement. Roi de deniers. Et là, vous savez ce que ça vibre, mais je suis contente pour vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sent beaucoup d'injustice, d'inégalité, d'iniquité, de manque de respect. Je ne sais pas, c'est pas bon là. Et vous êtes ce roi de bâton, ce roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un. Quoi? Ah, tu étais là, tu cherches à faire ça? Ah bon? En fait, c'est je m'en fous. C'est l'indifférence totale, mais totale chez vous. Et cette indifférence, vous savez, vous comprenez, mais ça ne fait que confirmer ce que vous saviez déjà, la force. Vous êtes protégé vraiment hein, par une force supérieure en fait qui comme moi je pense parce que j'ai ce sentiment d'iniquité d'inégalité qui sent comme moi que c'est pas juste et là vous comprenez en fait ce qui s'est joué avec il y a certainement des gens qui vont vous raconter à partir d'un événement vous allez comprendre quelque chose qui va vous donner la connaissance et l'information mais en fait ça va même pas vous toucher parce que vous le saviez déjà vous savez déjà tout ça et en fait ça ne fait que ce que je vois, c'est vous tournez la tête, vous regardez et vous détournez la tête. C'est ok, bon bah ok, d'accord, de toute façon, ça ne me surprend pas. Si vous voulez, il n'y a aucune surprise, aucun étonnement de votre part. 4 d'épée, pourquoi? Parce que ça fait longtemps que vous l'aviez compris. Ça fait longtemps que vous avez eu ce moment d'angoisse, de stress, en fait, parce que vous ne compreniez pas quelque chose. Ça fait longtemps que c'est derrière vous. 7, encore 7. Hein. Vous êtes solide, complètement solide par rapport à ce 7 de coupe. 7 de coupe, c'est le début là. Et en fait, c'est une personne qui essaye de raconter 8 de coupe. Mais vous, je vous adore sur ce coup-là. Mais vraiment, vous êtes. J'adore la dignité dont vous faites preuve et dont je sens ici l'affaire. Vous avez ce 8 de coupe, 7 de coupe qui nous dit vous tournez la tête, mais avec une force, une puissance que l'autre n'aurait jamais pu attendre. En fait, il ne s'attendait pas à attendre d'indifférence de votre part. Vous avez le roi de deniers. Roi de deniers. Mais vous êtes stable, solide. C'est un changement où vous êtes en accord avec vous-même et rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous arriver. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.